Salut les amis, c'est G4A, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis sur Bloody Battle comme vous avez vu. Donc je vais vous présenter ce serveur Minecraft qui est très bien, hein, on peut le dire. Il y a beaucoup de gens sur ce serveur. Tous les jours il y a des centaines de personnes qui sont dessus. Donc je vais vous présenter les différents mini-jeux sur ce serveur. Donc il y a le PvP Faction, le Skywars, le Bedwars, le Murder Mystery. Donc c'est quelqu'un qui tue des gens et il faut savoir qui c'est. Le Speed Rush, ça c'est, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est avec une base. Ouais, il y a des lits, voilà, il y a des lits. Il y a des villageois et ils te donnent des trucs et tu dois les échanger contre des potions et tout. Des pommes, des armures, des épées et tout. Et aussi des pioches. Alors la prison RPG, donc ça c'est une prison où tu peux avoir des cellules où il y a des rangs A à Z, etc. De A jusqu'à Z. Moi j'y suis déjà allé, enfin ouais, j'ai un petit niveau dessus. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur le prison RPG de Bloody Battle, donc on verra plus tard. Donc le Bloody Train, je sais plus, ah oui, c'est pour faire des 1v1 et tout, avec plusieurs modes. Voilà. 1v1 où je crois que ouais, c'est 1v1, je crois qu'on peut être plusieurs, je suis pas sûr, mais je crois que c'est que 1v1. Ouais, jouer sur le 1v1. Ouais, hein. Alors le Skyblock, donc c'est l'île. On a challenge, une nouvelle ressource. Bon, en fait, je sais plus. Je ferai une autre vidéo dessus parce que ça a l'air pas mal concept. Je sais. Ah oui, le Skyblock. Ah oui, oui, je me rappelle. Ouais, je me rappelle ce que c'est. En gros, t'as une île et tu peux farmer. Tu te fais des choses dessus et tu peux acheter avec, tu peux en vendre aussi. Enfin, en gros, tu dois farmer. Améliorer ce tu en fait tu veux t'atterrir sur une île avec quelques ressources et en fait elle doit devenir de plus en plus grande et prospère et elle doit avoir c'est un peu puissant, ouais, c'est un... ouais c'est bien quand même. Donc le free build, c'est quoi ça? Devenir architecte de Bloody Battle, plusieurs plots. Ah oui, ça c'est construire avec des amis. Oui, ça c'est pour faire des plots et construire ce qu'on veut. Après le GTA, ouais, c'est comme GTA, mais t'as des armes. Par contre, le texture pack, il a un problème. Il sera réglé quand même. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce GTA. Skyblock, Freebuild, Bloody Training, le RPG, le Prison RPG, le Speed Rush, le Murder in Story, le Bedwars, le Skywars, le Cut Rush. Ça, je sais plus ce que c'est. Ouais, un truc comme ça. Et le Hardcore Faction, c'est pour les meilleurs joueurs du Faction. Donc, voilà. Et si tu peux, enfin si tu meurs bien sûr sur le Hardcore Faction, tu es ban pendant quelques temps. Et voilà, j'ai une petite base, il faut juste parce qu'il fait du foutu. Je vais vous donner si vous voulez. Je sais pas s'ils sont foutus. Je me suis pas coupé pendant un certain temps. Il y a toujours les alambics. Là c'est un petit cadeau du coup. Charbon, je vous laisse, hein. Donc alors je vais vous présenter le petit ce serveur. Donc alors tu commences paysan, après c'est avec des blues, tu peux en acheter slash attends, c'est slash blues je crois, ça c'est pour moi savoir les blues. Tu peux acheter des blues ou les vendre, mais c'est hyper cher. Genre un blues, imagine, c'est 500$ ou 200. Donc c'est super cher. Alors on peut acheter par exemple sur le slash. Ah non, je sais pas comment faire. Monnaie, je crois. Ah non, c'est pas ça. Ah non. Donc, ah, ça c'est pour les hanches. Enfin, les. Tel des ventes. Donc là il y a des clés ultimes, ça c'est des clés utilisables spawn et pour les coffres météorites aussi. Donc c'est un coffre où il y a plusieurs voûtes dedans. Et ça c'est une fragment clé, donc il faut 3 fragments pour t'égaler une clé. Genre tu dois 3 fragments, 3 clés comme ça, 3 fragments de clé météorite. T'as cette clé. Et
pour les assembler, je sais plus, faut aller au spawn, faut demander au staff, je sais plus. Jouer B en fait, on va le vendre sur. Ah, je sais plus. Attends, j'avais fait ça, je suis mouillé. C'était pas ça. Donc j'ai dit on a plusieurs grades, on arrive paysan, on est paladin, guerrier, VIP, golden VIP, légendaire, ultime et MDC si c'est dans le chat. C'est quoi? Ah je sais, je crois. Non. Ah. Et voilà, après voilà. Il faut du boots pour avoir ça, il faut. Market. Non. Avec moi pour te guider. C'est quoi, je vais en laisser comme ça. J'ai utilisé du temps. On pose ça, pose ça, pose ça, pose ça. Pose ça, pose ça, pose ça, pose ça. Voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça fait. Ah mais voilà, c'est ça, c'est slash shop. Oh voilà, c'est le slash shop. Donc ça c'est pour vendre, parce qu'on peut acheter les esclaves où on vend, je crois. Ça, c'est pour les restaurer, ou ça c'est pour un truc. On peut avoir un petit commun qualifié. C'est quoi ça, c'est plus pro, ouais. Artisan. Ça, c'est le meilleur ça. Et après tu peux, en fait c'est le pain, c'est pour lui donner de la vie, et le ça aussi je crois, même ça on a une expérience pour le lion je crois, le ça shop, on peut, ça c'est quoi, shop des, non je sais pas, mais pas, et ça c'est pour les ventes de blouse, mais c'est pas pour maintenant, ça les potions c'est bientôt, pour l'acheter ou pas en vente, on reste aussi, ça c'est pour les drops de monstres, ça c'est les blocs, ça c'est le farming, non c'est le minage, ça c'est le farming. Tu peux acheter ou ça tu peux, voilà. Bon, y a des fois on peut pas acheter par exemple là le blé, et là par exemple si on peut pas le l'acheter on peut que le vendre, et ça on peut que le l'acheter, et ça c'est que l'acheter. Donc il y a en fait les, regardez ça, juste un c'est 500 $, juste un je crois. C'est énorme. Et voilà, donc il y a le truc YouTube. Donc ça c'est pour les ceux qui ont fait une vidéo sur Bloody Battle en youtubeur. Donc il y a Yazixel, Rari, ça je savais pas qui c'est. Je connaissais pas. Q, Nai, MC, Tendeuse, Nivix et Vita PvP. Et ça Nivix je crois que c'est le fondateur. Je suis pas sûr mais je crois. Et ça c'est pour coffre ultime. Et coffre théorique qui est juste à côté. Donc il y a aussi une mine, et à côté tu peux vendre les blocs directement sur place, et à côté il y a un contre-mètre pour acheter des gens dans les esclaves, et après il y a un scrap, vous avez vu de toute façon dans le coffre où j'ai posé le stuff, il y avait du scrap, en fait on clique droit sur un coffre, et ça donne des loot aléatoires mais ils sont pourris, et mais, après tu peux avoir, mais tu as des chances d'avoir un fragment de clé. Alors 18 minutes.
En vrai, il y a des coffres comme ça un peu partout sur la au spawn, pas sur la map bien sûr. Et en fait, quand c'est ça se met toutes les 20 minutes, je crois, ça restaure toutes les 20 minutes, et tu trouves des loots aléatoires comme de la blue money. Blue money, c'est en fait un dollar, mais tu peux l'échanger parce qu'il y a une classe marchande. Tu peux l'échanger contre de l'obsidienne. Il y a de la météorite, je crois aussi. Il y a de du diamant, je crois, de l'or. Des têtes des creepers, pardon. Ah oui, tu sais, pour les creepers aussi, les œufs de creepers, t'as juste à prendre quelques billets de, enfin, de la bounty money et une tête de creeper, et ça, tu l'échanges contre un œuf de creeper à la place marchande. Contre une tête de. Ah! Une tête contre une tête de creeper plus la bounty money. Je crois que c'est 15 petits points. Qu'est-ce qu'il fout, les gars? Ah ouais, c'est vrai. 3, 1. Putain, je bug en plus, c'est horrible. Salut, toi. Il est pourri, celui-là. Ce qu'il faut faire, c'est continuer son adversaire. En plus, c'est un paysan. En plus, t'as un kit. Enfin, t'as un kit. Toutes les, je sais pas combien, 2 minutes. Pour ton paladin. Mais pour les autres kits, ça se. Chaque grade de mon paysan, c'est une star, je crois. Bon, ce mec il a fini quand même là. Venu quand même, je le butais. Et j'ai vu un mec, le mec il avait un peu de stuff, il avait un casque météorite, genre c'est le meilleur des stuff quoi. Mais putain! Ouais, c'est vrai, il y a le petit là, petit kikou. Qui essaie de l'aider en tuant. Ils sont putain. Je le tue parce que lui, moi. Mais... Le bâtard. C'est vraiment du bouffe, ce que j'ai cru. Pourquoi je peux. Ah, il est ce mec. C'est une Dobas. Buté, mais de toute façon je vais revenir, je le défonce le mec, il ne va rien comprendre à sa life. Alors je vais reprendre ça. Oh merde, j'ai pas d'arc. C'est le bâtard qui m'a buté tout à l'heure. Je pense qu'à un moment il va se retourner. Alors il va faire S5, il va voir qui. Je suis seul à payer TP son pote.
paladin, je ne sais pas qui. Si tu regardes cette vidéo, je l'embête. Oh non, ah, regarde, tiens. Tiens, regarde. Je te rapporte du stuff, je te rapporte du stuff, tiens. Il l'a pris. Je vais le buter. Non, je vais le buter parce qu'il est imbutable. Ok, ok, c'est bon. Non, pas. Mon gars, crève. Slash quitte pas là d'un. Ça, voilà, scrap. Chop. Alors. Voilà. Scrap. On s'en fout. Et gentil, je dénonce. Ah là, on est bien là. Ah ouais, il y a plusieurs trucs aussi. Il y a les avant-postes, donc en fait il y a nord, donc c'est nord, sud, est, ouest, c'est-à-dire la mer, sud, le bas et l'ouest. Est, nord, sud, ouest. Alors je vais faire un truc, mais je pense que je vais regretter. Ah non, ça va, il a sauté avant moi. Mathéo B1, oh je te connais, c'est mon ami. J'avais invité, j'avais fait une fac la dernière fois. Mais il se rappelle plus moi. Parce que mon gars il se rappelle plus moi. Eh ben, mon goal, je t'avais invité dans ma faction. Tu et pas non. Je pense que j'aurais pas dû lui dire mongol. Je pense qu'il a pas trop apprécié. Allez, crève, pas très bon à l'arc on dirait. Ouais, on dit merci à qui? Il va me buter lui aussi, mais pourquoi vous voulez tous me buter? Je fais une vidéo, sérieux. Si je lui dis je fais une vidéo, je fais une vidéo. Respecte mon cousin. Oh non, oh non, oh non, j'ai cru qu'il allait me buter, mais enfin, si, je sais pas. Bonjour. Est-ce que si je fais ça... C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. Ah ouais, je sais ce qui se passe, c'est plus puissant. Il y a des petits alliés, mais... En fait, je tire sur tout le monde. Crève. Bonjour. Méchant va. Crève.
Bravo. Il s'est bien tiré à l'arc celui-là. Ça va, il me reste 49 de flèches. Il va crever. Aïe. Il crève. Il va crever. Il y a du stuff. Ah ouais, on dirait. Putain. De dire à ce mec, il a des pommes shit. Coucou, ça va toi? Non, on dirait qu'il m'aime pas. Non, il m'aime pas. Par contre, c'est pas tiré le mec. Hein. Pas va apprendre à tirer. J'ai 14 ans. Ça va toi? Oh! Alors là, il se les pose. Ah oui! Aïe 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 aïe. Oh oui, je suis à l'appel, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te casser les dents. Ah ben non. Oh. Attends. Même pas tes nous tu finis. Aïe, là il fait très mal. Vas-y, viens, viens, PVP là, hein. Attends, faites non, faites bonne journée. Aïe, va crever. Va crever, t'es méchant. Très méchant. Aïe. Aïe. Non, putain. Bon. C'est sur cette défaite que se termine cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Luigi 83 tiré du gaming. Très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi dans les commentaires vos suggestions de vidéos, cela m'intéresse. Donc, dites-le moi en commentaire. Lâchez un gros pouce bleu. Et merci pour les 36 abonnés. Et merci aussi pour les 250 vues pour ma vidéo à Soldat Suite contre les iPhones couverts. Et les 111 vues sur C'est quoi Nation Jury. Et tout. De toute façon, tout ce que vous avez. Tout le contenu que je vous ai offert. Merci d'avoir regardé. Sur ce, ciao.